Marlowe. Notre histoire commence il y a déjà bien longtemps. Si je ne m'abuse, il y a 36 ans. À cette époque-là, j'en revenais pas. Une fille si sympathique qui s'appelle Véronique. Nous sommes les sœurs jumelles. Avons découvert quel pétard. Que depuis notre naissance, rien n'est vraiment dû au hasard. Elle, toujours classe dans ses turbans. Moi, dans le métier, toujours en survêtement. Je ne m'attendais pas à ce charivari qui tout soudainement est entré dans ma vie. On va parler maintenant. Nous sommes dans les coups. On s'est entraîné toute la nuit. J'ai mis la musique pour mon couple. Nous sommes deux sœurs jumelles qui n'avons pas comme habitude de bailler aux corneilles. Pour nous, c'est une certitude. Avec tes élèves, pondre des illustrations, traduire mots en danse pour notre inauguration. Tu me sembles avoir plein de choses dans la tête. Avoue que s'en priver, ce sera un peu bête. Vous pouvez reprendre les sœurs jumelles avec nous, hein. Oh non. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe de la lecture. Les mots en ribambelle et mon manipulé, c'est sûr. Aller dans les classes, faire des animations. Donner aux enfants ce qui est notre passion. Leur ouvrir tout un monde de joie, d'étonnement. Leur transmettre notre virus pour quand ils seront grands. Nous sommes deux sœurs jumelles, notre vie est faite de hasard. C'est une ritournelle qui sème parfois un vrai bazar. Tu as découvert sur ma carte d'identité que le même jour, la même année, nous sommes nés. Cette similitude nous a fort rapprochés. Et bien vite dans ma tête est née une drôle d'idée. Nous sommes deux sœurs jumelles, tout doucement nous vieillissons. Tu vas ouvrir tes ailes, voler vers d'autres horizons. Livre à lire terminé n'est pas une porte fermée. Au fond de nos cœurs, préservons notre amitié. Et tout autour de nous, laissons se diffuser le grand bonheur de lire, d'aimer, de partager. Ouais.